Eh bien, salut à tous, bande de gamers, et bienvenue sur la deuxième partie de The Legend of Zelda Link Awakening. Et c'est parti, les amis. Donc, on a sur la dernière vidéo, on avait fait donc les débuts, on avait fait donc le premier donjon, la cave Flagello, et maintenant, on continue notre aventure. Ah, t'es. Ouh, c'est un instrument. Des sirènes, tu es brave et je t'avais sous-estimé. Cet instrument utilisé avec les 7 autres a le pouvoir de réveiller le poisson rêve. Collecte ces 8 autres instruments, je suis ici pour t'indiquer le chemin. Maintenant, va au marais des anémones, situé au nord. C'est parti, on est go. Raccourci maintenant qu'on a la plume, et vas-y, tape-moi dans l'eau toi. Je te dirai rien, mon pote. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, c'est horrible, c'est terrible. C'est des gogos, des momos, des moblins sont venus dans le village. Ils étaient une armée. Ils ont sorti, ils ont entré. Oui, c'est ça. Ils ont entré là et ils ont pris le minou. Non, non. Ils ont pris tout. Il vaudrait mieux que tu ailles voir ce qui s'est passé. C'est parti les amis, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti. On est en route pour secourir Toutou. Mais avant, on va aller récupérer un quart de cœur, et de toute manière je crois que c'est sur le même chemin. C'est parti les amis. Allez bim. Bim. Alors, le quart de cœur, où est-ce qu'il se trouvait ce petit quart de cœur? Il me semblait que le quart de cœur c'était un peu plus loin sur le chemin là. Hop. Et oh. Tiens, pour la peine. Hop. Alors ce qu'il faudrait faire aussi, c'est qu'on se récupère 200 rubis, 210 rubis précisément. Avant d'aller au prochain donjon. Il me semble que c'est avant le prochain donjon. Les yeux. Le prochain donjon. Je me rappelle plus où est-ce qu'il est le prochain donjon. Je crois qu'on est passé à côté. C'est... Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié lui. J'adore prendre les gens en photo. Puis-je te tirer le portrait? Ouais, vas-y, fais-moi une photo. Va au fond de la salle et fais face à l'écran. Et fais-moi ton plus beau sourire. Quel est ton nom, jeune homme? Dams, alors voici ton album, Dams. Regarde-le avant de partir. Voyons si nous pouvons remplir cet album. Et carrément, mon pote. Les voyages de Dams, veux-tu regarder ton album? Vas-y, fais voir la première photo. Quelle photo veux-tu utiliser? Ouais, appuie sur. Vas-y, celle-ci. Ouais! Ah, on pouvait l'imprimer carrément! Comment on faisait pour l'imprimer à l'époque? Ah ouais, on pouvait carrément l'imprimer. Ok. Je crois qu'il fallait récupérer tout ici, je crois. C'est qui ce fruluquet les gars? Débarrassez-moi vite de lui. Oh, c'est parti. Oh, tu fais une tour. Oh, je t'esquive. Oh, quelle retournée, bim. Ah merde, il m'a touché. C'est parti, on continue le chemin. Hop. Allez, bim. Les trois en moins. Tu es venu chercher Toutou. Tu dois être le mercenaire envoyé par Mademoiselle Miu Miu. Je vais te corriger. Eh,
Trop de la chance. Je suis là. Oups. Allez, je pense qu'il faut encore deux coups d'épée, c'est fini pour lui. Ah non, deux coups encore. Voilà, un coup il fait. Et on t'a éclaté, mon pote. Merci pour la fée. Toutou, je viens te sauver. Tu as trouvé Toutou, il a l'air féroce. Il va pas me bouffer, Toutou. Toutou, c'est mon Toutou, tu sais que je viens te sauver. Toutou, il est féroce. Allez, on va lui rapporter à sa maîtresse. Ramène-toi, Toutou. Ok, on passe par là. Ah, tu m'as ramené mon Toutou adoré, quelle joie. Et en plus, tu veux aller le promener, cela m'arrange du fond de mon cœur. Merci. Ah, c'est trop lourd. Allez, Toutou, tu continues l'aventure avec moi, mon ami. On va tailler l'herbe aux gens, voilà. Oups. Aïe. T'as qu'à pas te mettre en face de moi, toi aussi, là. Ah ouais, ça c'est le pêcheur, c'est pour avoir un quart de cœur, je crois, quand on aura la carte à pêche. Je sais plus du tout. Bon, attendez, vous savez quoi, on va aller voir directement, il suffit de lui parler. Si on peut avoir un quart de cœur, autant l'avoir. Une partie de pêche, mon gars, ça te coûtera que 10 rubis. Allez, allons-y. Avec tac tac 2, 1, évalue la distance de temps lancé. Dès que tu l'as, le poisson, c'est ferré, presse A et B. Pour le remonter. Donc c'est comme ça, 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 comme ça. Ce n'est qu'un frestin, tu n'auras que 5 rubis. Tu devrais encore essayer, oui. Normalement, il me semble qu'il faut le premier là. Le premier, c'est un quart de cœur. Ah non, tu veux pas toucher ailleurs, toi? Ce n'est qu'un frestin, tu n'auras que 5 rubis. On perd beaucoup trop quand même. C'est un gros et en plus il a un fragment de cœur. Je t'offre aussi 20 rubis. Voilà, c'est bon, on a fini. En moins qu'on puisse essayer de choper le dernier gros pour nous faire 20 rubis de plus. Non, c'est risqué parce qu'on va déjà perdre 10, donc on n'en gagnera que 10. Ça vaut pas la peine. Oh, c'est abusé, il s'est cassé direct. Non. Vite à vie, sois un peu plus motivé. Ouais. Je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais, mon pote. Je m'arrache. Donc il ne restera plus qu'un quart de cœur à avoir et on aura un cœur supplémentaire. Ça, c'est génial, les amis. C'est même vraiment génial. Ok, hop, on fait ça. Il me semble qu'ici aussi, on va avoir le premier coquillage. Voilà. Le coquillage qui est très important, c'est ce qui nous permet d'avoir la dernière épée du jeu d'une fois qu'on les aura tous. Voilà, on y est. Par contre, est-ce que j'aurais dû passer en rouge, sauter en rouge pour voir? Ouais, peut-être qu'on va passer en haut vite pour voir. Juste au cas où ce qu'il y a, là-haut. Il y a des grottes. Ah, mais ça, je pourrais pas le soulever. Non, autant foncer directement. Putain, ils nous donnent gavé de cœurs, qu'on s'en fout des cœurs. Autant partir directement à... comment ça s'appelle? Au donjon, voilà, pardon, je cherche mon mot.
J'ai le Joe. J'ai mon casque qui s'enlève, ça m'énerve. Donc lui, il va nous ouvrir la voie, toutou. Parce que nous, on peut pas, voilà, les éliminer avec... Voilà, ça y est. Le chemin est ouvert. Niveau 2, grotte du génie. Ouais, c'est ça, j'avais bien raison. Ah, c'est trop lourd, je n'y arriverai pas jamais à soulever ça. Donc si on voit ça qui est un coffre juste derrière, ça veut dire que ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que on aura le bracelet. Ok, par là. Wow, t'as énervé toi. C'est pas bon pour la santé ça. On va enlever le... Voilà ça. Alors... Grotte du génie, je m'en rappelle plus du tout. Une petite clé, ouais. Tant mieux, parce qu'on en avait besoin déjà d'une dès le début. Alors, est-ce qu'on, par contre, on a la carte du donjon? Non, on n'a pas de carte de donjon, il faut la trouver, il me semble. Niveau 2, grotte de génie. Non, il n'y a pas de carte. C'est notre seul moyen, c'est de retrouver... Donc, une petite clé supplémentaire, ok. Qu'est-ce que je suis idiot. Et si je fais ça? Eh, on a pas mal un peu Link. Merci. Voilà. Ah oui, eux, il faut les tuer par derrière, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà. Il nous donnera une clé pour plus tard. Là, ouais, là par contre, il nous faut le. Ah putain, à chaque fois, je me trompe de touche. Bouclier en action, bim. Voilà, ici, là, je crois qu'il n'y avait rien à faire. On va passer par là, puisqu'on en est là. J'entends mes cœurs sonner, pourquoi? Ah oui, on a un demi-cœur déjà. Pas le droit à l'erreur donc. Faut récupérer des cœurs. On va essayer de faire ça sur le chemin. On va éviter. Oh, bête, des cœurs. Voilà, impeccable. Eh ben, on a affaire au premier mini-boss, enfin au deuxième mini-boss, pardon, du donjon. Des donjons, premier mini, je recommence. Premier mini boss donc de ce donjon, de toute façon il n'y en a qu'un seul, et deuxième mini boss du jeu lui-même. Donne-moi une petite fée s'il te plaît, merci, sois gentil. Donc, on est arrivé par là, on va passer par là. Il y avait des cœurs ici, mais on n'a pas forcément besoin. Ah ouais, j'avais oublié ça, c'est vrai. Il semble que ça, normalement, on peut l'éliminer, ça. Tu as une carte, appuie sur Start pour le consulter. Voilà. D'accord, ok, ouais. Je me disais bien qu'il y avait une carte dans son jeu. Ok. Ça, on va la récupérer. Ça nous fera toujours en plus. Tes rubis, parfait, 20 rubis. Je pense qu'on a assez de petites clés pour passer cette porte. Ah ouais. Attendez, je me rappelle comment on les élimine. Si je me rappelle bien, si je me fais pas avoir comme ça. On allume ça. Et on allume ça. Et là, ils ont plus peur. Voilà. Et on a l'objet du temple. Ça y est, les amis. C'est fait.
le bracelet niveau 1. Ce qui va nous permettre de soulever pas mal de choses en jeu. La petite clé. Bien. Bim. Bim. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a la comment on appelle ça, la... Je vais y arriver, hein. La clé. Là, je pense que c'est direction maintenant la clé du boss. Clé du boss, que si je me rappelle bien précisément, elle est... Vas-y, passe devant toi. Voilà, pas d'objet. Soit on est par là, soit par l'escalier là, soit par là. Il me semble qu'elle est par là. Si j'ai pas de bêtises, elle est par là. Touche. Ah oui, je me rappelle. Eh, je me trompe encore de touche, les amis. Voilà. Et si je me rappelle bien, sans casser le pot. Voilà, là, il tire également aussi. Ah non, c'est la direction du boss ici, d'accord, ok. On a fait tout ça pour rien, les amis. Donc là, on sait que ce sera le chemin du boss. Ok, ça on le saura. Donc, forcément, la clé du boss, elle est par là. Ah oui, il y a même les plantes de Mario. Putain, j'avais vraiment oublié tout ça. Ok, alors attendez. Je suis fatigué, excusez-moi. Ok, allez. C'est parti, let's go, les amis. Wow. Merde, trop pressé. Vous imaginez quand même comme ça, un Zelda en Mario. Avec les Goombas, les plantes et tout. Et un Mario en Zelda. Donc là, on revient donc aussi, et attendez si je me rappelle bien, parce qu'ici on a été voir, il y avait le coffre au début, il me semble que... Ah, je me rappelle plus du tout, franchement je me rappelle plus du tout. On va voir bien voir sur le chemin nous-mêmes. Ok. Hop, on va passer par là parce qu'on avait un coffre au tout début. 50 rubis. Là c'est bien, là on se rapproche bien de notre truc qu'on voulait faire. Donc nous retournons encore une fois de ce côté là. Je sais Link, c'est trop lourd, je sais. Link va nous le répéter tout le long du jeu, tant qu'on n'aura pas le bracelet sur nous. Oui, parce que ce Link là ne peut pas porter tout en même temps. Il ne peut pas avoir un bracelet et garder au bras. Trop lourd pour lui. Ok, donc nous y voilà. Donc, il a dit d'abord le lapin. En suivant la chauve-souris et on finit par le fantôme. Et normalement, on a la clé du boss. Voilà, les amis, c'est bon. On a trouvé, on est content. C'est gentil d'éviter de me défoncer la tronche, merci.
pas d'effet d'avoir une clé, non. Un cœur. Forcément, il n'y a pas de cœur. Ok. Donc là, maintenant, tac. Et là, tac, on ouvre la porte. Et nous voici, les amis, le génie. Donc là, si je me rappelle bien... Nagnac, tu n'auras pas tant que je n'aurai Major. Comment on t'élimine à toi déjà, je me rappelle plus trop. Je ne peux pas bouger, mais je vais bien. Ta petite épée ne pourra pas briser cette bouteille. Mais le mur, si. Voilà, c'est ça. Il faut esquiver ces boules de feu. Voilà, là, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va esquiver ces boules de feu, en fait, c'est ça. Voilà, de là, hop. Il nous attaque avec ça. Et là, normalement, je crois que c'est... Coup d'épée à fond. Faut l'esquiver à sa boule de feu absolument, sinon on sera mal. Pareil pour le même endroit là. Ok, dernier coup. Oh non, c'est pas vrai. Encore un dernier coup. Ah, il m'a eu à la fin. Il m'a eu à la fin. Ok. Ça. Faut pas sauter. Ok. Bracelet. Donc il va nous falloir. Il va nous falloir. Faire attention à nous déjà. Ça c'est sûr. Il va nous falloir la reprendre encore le. Merci, hein, t'es gentil de m'avoir enlevé un cœur pour rien. Ah, si seulement j'aurais pu avoir le symbole de la force et commencer comme ça directement, ça aurait été génial. Ok, nous y voilà, c'est reparti. Allez, vas-y, attaque-nous là. On puisse esquiver ça. Pour faire un maximum de blé. Aussi, ça serait bien. Ah, putain, un cœur, il m'enlève en plus à chaque fois. Il nous reste deux cœurs, il va falloir faire attention. Allez, c'est parti. On va esquiver à mort. On va se laisser avoir. On est bon, on le sait, on va y arriver. Voilà. Boum, j'ai explosé. Tu l'as dans l'os, c'est fini. Ok, donc là il fait sa technique de... Ouh là là, coup de chance, c'est terrible. Oh là là. Oh, il m'a touché, putain, non, ça sent mauvais ça. On l'a eu sur la fin, les amis. Sur le dernier cœur qui nous restait. Et voici... Le deuxième.
C'est quoi? Tu as la conque de l'écume. Ça marche. Prairie, prairie, elle t'attend. Ok les amis, et bien écoutez, sur cette fin de vidéo, on va en rester là les amis. Ben écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter, et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite de notre épisode. Ciao ciao les amis, et à la prochaine fois.